nous sommes en contact permanent, si vous voulez, je suis en contact permanent avec le général Jones, qui est commandant des forces américaines, à la fois pour l'Europe et pour cette partie de l'Afrique. Et pour l'instant, nous n'avons pas défini la manière dont nous pourrions concourir à cette opération américaine. Mais il est bien évident que nous resterons pour le moins en liaison et parfaitement coordonnés, parce que ce qui se passe, même si nous n'engageons pas directement nos troupes, vous doutez bien que ce qui se passe au Libéria n'est pas sans influence sur ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire et réciproquement. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir recréé un lien de confiance avec l'armée ivoirienne. Et ça, ce lien de confiance, il est rétabli. Deuxièmement, ce qui compte pour nous aussi, c'est de travailler avec les armées ivoiriennes sur le projet d'organisation future de l'armée telle qu'ils l'entendent après cette crise.